Coucou, alors ça va être un haul action évidemment comme vous avez vu dans le titre, mais ça va être plutôt un haul animé. Je ne vais pas rester face cam, je ne bouge pas, je vous présente, basta. Je vais vous présenter les choses, mais en fait ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est juste, il y a un meuble, un élément salle de bain, un autre élément que je vais pouvoir vous montrer une fois que c'est présenté, et il y a trois autres petites choses, voilà, donc je trouvais ça assez sympa. Je vais commencer par ce meuble. Ça faisait plusieurs fois, ça me faisait de l'œil et surtout j'en ai besoin, je cherche un portant pour mettre notamment mes robes de chambre. J'adore les robes de chambre. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre. Je viens de mettre du vernis, regardez. J'ai laissé poser suffisamment parce qu'en plus c'est un vernis qui sèche très vite et voilà. Je ne veux pas repasser à du gel parce que bah, le gel ça m'abîme mes ongles en dessous. Alors, je vous disais donc que ce portant, je l'avais déjà repéré. Je vais prendre le ticket des prix déjà. Désolée pour le bruit. Alors, ce portant en bois, je le trouve vraiment joli. Portant habit, il est à 15,95 €. Et donc, je vais le mettre en haut. Je vous disais pour mettre notamment mes robes de chambre, mais je pense que je pourrais mettre une veste ou deux. Le but, c'est pas de blinder, vraiment pas. Et je vais également, comme on voit sur l'image, pouvoir poser éventuellement, vu que ça sera dans ma chambre, pas des chaussures, mais hop, vous voyez, des chaussons, pourquoi pas. On va le monter ensemble et je vais installer avec vous. Donc il fait combien? Il fait 1,46 m hauteur et 76 cm de largeur. J'espère que c'est juste de l'emboîtage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai choisi. Et après, on regarde ensemble, on monte les éléments. Je cherchais une poubelle parce que la mienne poubelle de salle de bain, elle a fait son temps, elle a explosé, le truc il est même plus dans son rail. Il est même, comment on appelle ça, piqué, c'est-à-dire oxydé. Ça c'est oxydé. J'ai trouvé une poubelle. C'est limite, je suis en train de me dire là en fait que c'est pas vraiment une poubelle, je crois. Ça serait pas plutôt un bac pour mettre du linge. C'est pas grave, elle est très belle et c'est toujours utile. Bon bah voilà, j'ai pris le panier à linge version noire, il existait également version bois et c'était le tout dernier, il en restait plein en bois, tu m'étonnes, je trouve qu'il est super beau avec cette corde. Je vais le mettre, je pense, tout là-haut dans la salle de bain. Cet élément, on va le monter ensemble parce que je pense que ça va pouvoir vous intéresser. Le prix de cette panière poubelle, 9,98 €. Ensuite, j'ai pris ce coussin galette carré qui est gris anthracite que je vais mettre sur ma coiffeuse. J'ai un siège format carré. J'en ai déjà un qui est gris, beaucoup plus clair, qui est sali et que je veux sécher, enfin que je veux laver, sécher. Donc c'est bien d'en avoir deux. Et combien coûtait-il? Il y avait plusieurs couleurs. Bon, marron, un peu plus tristoun, des verts. Bon, c'était pas trop mon délire. Combien coûte-t-il? 3,95 € le petit coussin. Ensuite, alors ça c'est pour bébé Jackie. Qu'est-ce que c'est? Une gamelle pour mettre les croquettes de Jackie. J'en ai déjà un et c'est bien d'en avoir deux, hein, tout simplement. En plus, c'est quand même plutôt très mignon. Combien coûte le petit? La gamelle pour chat en céramique coûte 1,29 €. Je me suis pris une to-do list qui se présente comme ça. Donc on décroche, on note et on décroche au fur et à mesure. Alors ça, c'est hyper pratique. Je pense même que je vais le laisser là dans la cuisine pour les courses. Mais pas que. J'avoue que j'aurais dû en prendre deux. Un pour ici et un pour mon bureau. Parce que le matin, bah, je note les grands titres, tout ce que je dois faire. Et en plus, on a le petit rond au bout pour cocher. Une fois que c'est fait, voilà, 21 choses, tu ne peux pas en faire plus dans la journée. Ah ben non. Je les trouve vraiment, vraiment bien, leurs savons main. En plus, ils sont bons, ils sont efficaces et je trouve qu'ils sont très beaux. J'ai pris le classique fleur d'oranger parce que c'est une senteur qui me plaît. Il y en a d'autres qui sont, au niveau de l'emballage, qui sont vraiment ravissants. Mais j'en ai déjà pris, j'aime bien tourner. Donc, fleur d'oranger au savon liquide de Marseille. Est-ce que ça sent vraiment? J'ai pas senti. Ah oui, bah oui, oui, ça respecte. En plus, ça sent très très bon. Et c'est un produit qui est fabriqué en France, nous dit-on. 490 ml. Je ne vous ai pas donné l'élément d'avant, le prix non plus.
Le savon coûte 1,99€ et le petit bloc-notes coûte 79 centimes. J'ai pas pris énormément de choses, mais on va passer au montage du meuble et de la poubelle. Et puis bah, en même temps, je vais vous installer ça. On va peut-être prendre un ciseau, ça sera pas mal. Eh bien, ça se présente comme ça, ça sent vraiment le bois. Ah oui, oui. Donc, bah, ça va être un jeu d'emballage. J'avais peur qu'il faille faire des trous et visser et tout. Je ne pense pas, nous avons les baguettes. C'est pas terminé. Oh, il y en a quand même pas mal, hein. On va monter ça en accéléré. C'est galère parce qu'en fait il faut que j'arrive à tenir, donc je fais comme je peux, je cale comme ça et tout, parce que il faudrait être à deux. Eric est pas là, il est parti là ce midi, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait. Faut que je fasse ça et en même temps faut que je visse et en même temps faut que je cale et faut que je rajoute des choses. Ah non, Jackie, c'est pas toi qui vas aider ta mère. J'ai calé ici. Et là, bon, je vais être honnête, hein, des fois je me trouvais pas tente, c'est tout. Voilà, faut savoir le dire. Oh, c'était mal barré. Et ben, je crois qu'on est bon là. Hop. On va le monter ensemble et on va tester avec un vêtement. Quoique non, parce que maintenant que je suis dans ma lancée, je vais monter la poubelle, ça va être en 2-2. Et comme ça, on fera tout en même temps, ok? Je vous demande, mais ça quand même. J'aurais dû... Je me disais encore, elle est grande pour une poubelle. Tu vas pas être compliqué à faire quand même, toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a du truc comme ça, on a de ça. Ah oui, quand même. Bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu galère. Là, je viens de mettre une arête, là. On va mettre le sol comme ça. Je vais rajouter ça, je rajoute l'autre arête. En gros, voilà l'idée. Par contre, elle est hyper grande. Ouais, donc c'est vraiment le truc pour mettre le linge. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Je suis très contente. Il est parfait. Parfait. Et en dessous, bah, je mettrai mes petits chaussons. Ou des coussins, des accessoires. Oh, j'adore. Et vous voyez, il était à 15, je crois. 15 euros. Bon, par contre, je l'ai mis dans cette pièce. Mais évidemment, ça sera là-haut. Hein. Mais là-haut, en ce moment, c'est trop sombre. Donc, vous n'aurez rien vu. Et je suis en train de me dire... Je me recule pour que vous voyez. J'ai bien envie de le customiser très discrètement en mettant genre des jolis rubans. Je sais pas. Donc vous voyez, en fait, on peut mettre 2 sur 3, j'irais peut-être 4. Faut pas trop blinder parce que c'est pas non plus hyper solide. Et bah en bas, des chaussures ou une boîte. Voilà. Franchement, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait tout ça. La panière, bah d'abord je vais ranger. Et puis bah, je la mettrai dans cette salle de bain. Et la petite poubelle qui est là-bas, qui est toute cassée, bah, tant pis, j'en rachèterai une. Et mon siège coiffeuse, c'est celui-là. Donc ça va être parfait, je vais enlever l'étiquette quand même, ça sera très joli. Bon bah voilà, j'arrête là pour ce petit haul animé. Dites-moi en commentaire si bah, du coup ce format vous a plu, auquel cas j'en referai. Surtout quand tu sais, tu fais des... Enfin, que t'achètes pas énormément de choses, mais que c'est des... Ah oui, en parlant de ça. Attends, je passe du... Hein. Il y a également un banc et à chaque fois je le prends, je voulais le prendre hier, il n'y était plus. C'est un joli banc avec petite moumoute blanche hyper jolie que je voulais mettre aussi là-haut pour, enfin, quand tu veux mettre tes chaussettes, tu veux t'habiller. En plus ça fait vraiment un joli meuble déco, je vais surveiller s'il revient. Donc voilà, je voulais savoir si ce genre de format vous plaisait, je le referai peut-être, surtout quand tu prends pas beaucoup d'éléments. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour un vlog. Je vous embrasse, salut.